Voici le panorama sommital proposé par le château fort du Trifels. Altitude 497 mètres, situé dans le Palatinat allemand, directement au-dessus de la vallée de la Queich et d'Annweiler am Trifels. Attention les yeux, car ça va être très violent. C'est parti. Au cap Est, entre les massifs du Hohenberg et du Forlenberg, j'aperçois une partie de la plaine rhénane, entre Karlsruhe et Mannheim. C'est ce que je vois ici, au fond, avec plus particulièrement l'agglomération de Landau in der Pfalz. Je parviens même à reconnaître le vignoble situé dans la zone du Piémont. Il s'agit de la partie située entre la plaine et la montagne. À droite, j'aperçois le Hohenberg. Constitue le second sommet le plus élevé d'Annweiler am Trifels. Au cap sud, j'aperçois le parking payant du Wildhof, situé en bas à gauche. Le point culminant d'Annweiler am Trifels avec ses 576 mètres. C'est très impressionnant. Ce panorama a été pris depuis le sommet du donjon du Trifels, qui est de forme rectangulaire. Je termine mon tour panoramique avec une vue à l'ouest, particulièrement prenante pour les yeux. Je distingue en plongée l'intégralité de la bourgade d'Annweiler am Trifels. En un seul mot, extraordinaire. Quel fantastique nid d'aigle, ce Trifels. C'est absolument explosif. J'adore et j'en redemande, bien sûr. Un must, tout simplement.